Adrien. Regarde Amoury, garde. Hanté. Eh, ok Kevin, viens. On va essayer de mettre le plus de mouvements possible, comme on essaie de le faire tous les week-ends. On a une équipe avec le profil de joueurs qui se déplacent beaucoup. Donc on veut prendre l'adversaire de vitesse, tout en restant solide sur les fondamentaux. Hein, donc solide au contact, conservation du ballon. Et après faire l'effort sur ce jeu sans ballon, de manière à être le plus nombreux possible sur la largeur du terrain et face à personne. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place, on bosse beaucoup dessus et ça commence à porter ses fruits. L'équipe de Sénac va nous proposer énormément de combats, c'est une équipe qu'on a joué deux fois la saison dernière, qu'on a battu deux fois difficilement. Cette année ça s'était un peu mieux passé à la maison parce que ça s'était bien goupillé pour nous, notamment sur la fin de match, on avait marqué 5 essais. Mais chez eux, ils veulent montrer à leur public qu'ils avaient peut-être les moyens de rester sur de la Fédérale 2. Ils connaissent une saison difficile, donc ça va être du combat et encore du combat. Ça va être sur les fondamentaux, ils vont être terribles. Je te dis 44-6, ça te dit quoi? C'est le score du match aller, ouais. C'est notre plus gros score, c'est surtout le match où nos occasions, on les a mis au fond. Parce qu'on a un peu de mal à répéter sur tous les matchs, mais on arrive à se créer les occasions et quand on arrive à les mettre au fond, ça peut faire ce genre de résultat. On a l'équipe pour produire du jeu, donc après, il faut sur la finition, il faut être performant. Ouais.